Ministre Finance indique que nouveau système taxe pour bénéficier la plupart des petits business. Ministre Danny Ford donne un salé éclaircissement parmi les bons points qu'il a adressé pour faire un débat le discours budget 2010. Dans son la réponse envers concerne Ban Mama, surtout le côté de l'opposition, ministre Ford dit que contrairement à ce qu'il a dit, beaucoup de petits business pour bénéficier, l'État n'a pas payé taxes sur sa première 100 000 roupies profit qu'ils ont fait par an. En plus, ils ont pu gagner une réduction sur certains équipements si tout le temps ils ont pu commencer leur business. D'après le travail nouveau Financial Analysis Branch du ministère des Finances, la majorité des business pour jouer un tax-free threshold 100 000 roupies. Et il y en a pour autres l'information, 3 500 petits business qui tombent dans sa catégorie. En plus, nous pouvons introduire un système qui donne sa petit et moyen business facilité. Pour autres, on a dépréciation jusqu'à 50 000 roupies pour l'équipement computer. On a une comptabilité plus simple et possibilité de faire déduction pour toute bonne dépense qui tombe en bas catégorie Startup and Pre-Commencement Expenditure. Ministre Forti fait sortir qu'aujourd'hui, 80% de taxes dans le pays sont payées par 20 grands la compagnie. Alors, qui peut arriver si les autres performances sont réduites? Il dit qu'il y a mesure que le nouveau régime taxe vient en force, majorité business pas pour payer plus que 25% de taxes. Il existe un petit groupe qui fait plus que 1 million roupies profit par an qui pour payer sa nouveau taux 33% de taxes. Nous pouvons introduire un nouveau système taxe qui distribue responsabilité et contribution économique à travers une plus grande base de population, afin que tout le monde qui est capable de travailler, y reconnaît qui peut jouer un rôle dans l'engrandissement de l'économie pays. Résultat final, c'est que dans l'économie moderne et dynamique qui nous peut créer, c'est ces lois pour découvrir plus de valeur dans son travail et dans lui-même, et pour sortir là avec un grand avantage compétitif vis-à-vis du monde de la région et même loin un niveau international. Toujours quand il concerne taxes, le ministre Foyne dit que le gouvernement fait descendre taxes business le banque la compagnie par 7%, c'est pour continuer à encourager pour employer plus ces lois et jouer un plus grand rôle pour faire agrandir l'économie pays et faire descendre prix produits et services. Il dit que ça l'en est, l'autorité licensing donne 1200 nouveaux licenses business. Unemployment CCL est resté bas à un taux 4,5%. Compare ça, membre honorable, avec plus que 8% Maurice, 6% Madagascar, 14% Maldives, 20% Comores et 34% La Réunion. C'est pour sa raison qu'il nous peut transformer nos mécanismes pour faire les plus facile faire business. C'est pour sa raison qu'il nous peut moderniser la loi qui dirige business et l'investissement. Nous souhaitons que ça amène les outils nécessaires dans l'homme cécillois, qui a envie de lever, débouiller, et qui va permettre de travailler dans le secteur privé, créer plus l'opportunité. Avant tout, pour mettre plus l'argent dans notre poste, aussi bien qu'il réinvestit dans l'économie. Le ministre Finance dit tout ça bande telle mesure qui peut mettre en place dans le budget, il y en a un seul bi. Donc ces lois plus l'opportunité pour débrouiller, à cause de si ces lois élevées et prend sa sens, il compte très bien qui c'est lui qui pour décider qui il pour mettre dans son poste et dans son ventre. Et de son résumé, le débat discours budget 2010, le ministre Finance indique que sa budget il fait provision pour l'augmentation salaire travaillé dans le secteur public et plusieurs nouveaux schemes of service qui pourraient implémenter l'année prochaine. Le ministre Danny Foyne aussi donne plus l'éclaircissement, le personal income tax, qui bon membre l'Assemblée s'est demandé dans cette réaction le budget 2010. Le temps de prendre l'éclaircissement, le son nouveau strictis à l'EEC pour venir en force à partir de janvier 2010, le ministre Finance dit que dans sa nouvelle économie, le gouvernement transforme les pour sortir comme un plus grand pour venir un plus petit employé de pays. Il dit que le gouvernement a employé 17,8% de la force travailleuse,
tandis que le secteur privé lui, y a ploué 64,8%. Le ministre Ford compare salaire moyen actuel entre le secteur public et le secteur privé. Il dit actuellement salaire du secteur privé est 10% plus que le secteur public. Ça est 5 999 roupies dans le privé comparé avec 5 451 roupies dans le gouvernement. Budget 2010, il fait provision pour 12,7 millions de roupies pour l'augmentation salaire dans le cadre nouveau wage grid. Mais aussi envie informe nous l'Assemblée que le gouvernement il met 35,8 millions de roupies pour une promotion, pour un increment et plusieurs nouveaux schemes of service qui pourront être implémentés à partir de janvier 2010. Cependant, l'unemployment de CCL est resté bas, à un taux de 4,5%. Comparé à ça, membre honorable, avec plus que 8% Maurice, 6% Madagascar, 14% Maldives, 20% Comores et 34% La Réunion. C'est pour sa raison qui nous peut transformer nos mécanismes pour faire les plus facile faire business. C'est pour sa raison qui nous peut moderniser la loi qui dirige business et l'investissement. Ministre Fort dit que le gouvernement peut souhaiter qu'il s'abonne un nouveau mécanisme pour faciliter le secteur privé faire business et a mis des outils nécessaires et l'opportunité de la mettre ces lois qui ont envie lever, débrouiller. Il dit, ça y a non seulement mettre plus là à des autres postes, mais il a aussi permis des autres réinvestir dans l'économie. Le ministre Foy nous donne plus d'explications sur son nouveau système Personal Income Tax, qui va même l'Assemblée de demander des autres réactions au budget 2010. Nouveau système Personal Income Tax, qui pour remplacer la contribution sécurité sociale en zilet 2010, pour faire qui chaque travailleur pour gagner une augmentation 22,5% les autres la paye actuelle. Et qui pendant 6 mois, 18,75% pour gagner tirer les autres la paye. Comment les autres contributions en bas personal income tax. Alors, les autres la paye pour rester pareil. Par contre, à partir janvier 2011, 10-15% pour gagner tirer les autres la paye en bas personal income tax. Et ça, il veut dire qu'ils ont la paye pour monter par 3,75%. Le ministre Foy a expliqué que le gouvernement finit de rencontrer un travailleur qui peut arrêter de travailler des services publics le 31 décembre 2009. Il dit qu'ils ont pour gagner payer tous les autres bénéfices et que 3 mois salaire. Le ministre Finance dit Goods and Services n'augmente pas 20% de budget 2010 pour payer pour nouveaux services coopératifs cleaners, moins travailler maintenance, sécurité, landscaping et travailler l'embellissement.